Bonjour et bienvenue chez VRLC International. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez avoir vos couvertures d'albums quand vous placez l'iPod en cover flow, quand vous placez la musique en cover flow. Donc là maintenant, nous allons dans l'option iPod, c'est là où vous avez vos musiques. Par exemple, là nous avons la musique de Mariah Carey, Hero. Donc quand vous tournez le iPhone catégorie, vous voyez, vous avez tous ces albums là comme sur le vrai iPhone. Donc maintenant, comment obtenir un tel effet, nous allons vous montrer comment procéder. Là maintenant, vous allez dans le gestionnaire de fichiers, et vous allez sur la carte mémoire intégrée. Certains, vous aurez votre iPhone 4.8 en 4 Go, en 8 Go ou en 16 Go. Donc maintenant, vous allez dans le fichier MP3, c'est là où vous placez toutes vos musiques. Vous ouvrez ce fichier là, ce dossier là, pardon. Donc là maintenant, vous avez toutes vos musiques là que vous placez ici. Donc nous avons classé nos musiques dans des dossiers. Par exemple, les musiques de Mariah Carey, nous les avons mis dans un dossier appelé Mariah Carey, Michael Jackson idem, She idem et Avril Lavigne idem. Donc, et d'autres d'entre vous avez vos musiques préférées pour les classer comme vous voulez, mais vous devez les mettre dans des dossiers. Donc vous devez les classer. Donc là maintenant, par exemple, pour Mariah Carey, quand nous ouvrons ce dossier, nous avons 3 musiques à l'intérieur et une image. Okay? Cette image là, quand vous affichez, c'est cette image là que vous voyez ici. Okay? Donc c'est cette image là qui va se placer comme une couverture pour l'album de Mariah Carey. Donc là maintenant, si vous voyez, donc cette image, elle doit être en JPG, ok, en JPG comme vous voyez là. Vous devez l'appeler musique, ok, M-U-S-I-C comme vous voyez ici, musique. Et la dimension, c'est 224 par 282. Je répète, c'est 224 par 282. Ok, 224 par 282. Donc c'est la dimension pour que vous ayez cet effet de couverture avec vos couvertures d'album. Donc si vous allez dans les autres, par exemple Michael Jackson, vous allez voir, c'est la même chose. Nous avons toujours cette petite image là qui s'appelle musique. Ok, pour tous nos dossiers, nous plaçons cette image là. Et pour Michael Jackson, nous avons cette image. Ok, pour les autres idem. Donc si vous faites ainsi, donc quand vous allez au niveau de la musique en cover flow, donc vous aurez cet effet là. Okay. Ok, donc c'est très simple. Merci de nous avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.